870 personnes étaient venues assister au spectacle vendredi soir au complexe Jules Ferry de Lisles-les-Lannoy. En tennis de table, le club pongiste de Lys recevait les Néerlandaises de Heerlen en demi-finale allée de la Coupe d'Europe. La meilleure joueuse dans le camp lissois, Xu Li, n'a pas pu participer à la compétition après une lésion au poignet droit. Malgré leurs très bonnes prestations, les filles d'Éric Grou n'ont pas été à la hauteur de leurs adversaires. Elles se sont inclinées 3-7 à 1-1. Désormais, elles vont donc se concentré sur le championnat. Je vous rappelle que le club est toujours leader de la Pro A. Je vous propose d'écouter les commentaires d'une des joueuses au terme du match. C'est vrai que je suis très contente, et les filles aussi. L'objectif au début d'année, c'était une place sur le podium. On parle de championnat de France. Pour l'instant, on est le premier à 3 points d'écart. Et il en reste 4 matchs, donc c'est vrai qu'on commence à rêver au titre de champion. En ce qui concerne la Coupe d'Europe, on n'a jamais passé les 8e de finale. Cette année, on est en demi, c'est énorme. Et bon, ce soir, on savait depuis le début que ça va être très très difficile et compliqué, mais on a fait ce qu'on a pu.